talent de rugby à 15, le CV Sportif fut créé en 1913. En 1987, quels étaient les dirigeants? Et les dirigeants, c'était Michel Planas, qui était le président et qui nous faisait la motivation avant le match. Quoi. Il y avait Alain Thorand, il y avait tous ces Jean-Louis. Oui, bien sûr, oui, ils faisaient partie de l'aventure. Quoi. C'est eux qui ont remonté le club, hein, qui ont fait un gros pari sur les jeunes de Serré à l'époque, 2 ans avant moi, avant que j'arrive, et qui ont réussi leur pari, hein, largement. Quand j'ai pris la présidence, c'était le projet. Moi, je l'avais pris en 3e division. Le projet, c'était de remonter dans les années qui suivaient. Je crois qu'il faut avoir des buts. Et puis, avec la génération qu'on avait, on a eu la chance d'avoir une génération de joueurs extraordinaires. En 1987, qui étaient ces bleus et blancs qui composaient l'équipe du CRU Sportif? En 87, moi je fais partie de la génération qui est la dernière avant à être montée en senior, où on était 7-8 du même âge à monter. Il y avait 2 ou 3 générations qui sortent, tout le monde montait des juniors de Serré. Donc nous on avait 21 ans, mais après il y avait Jean-Jacques Teil qui avait 23 ans, donc c'était juste Thierry André, 23 ans, et les plus âgés, bon après il y avait mon frère José, qui s'était blessé le match avant, et qui avait 27 ans, 28 ans, et après le plus âgé c'était Lorca, Jackie, Jojo Kéral. Cette équipe dont avait une envie folle d'accéder à cette seconde division qui nous était promise depuis des années, on avait un groupe pour ça, on avait un entraîneur pour ça, on avait un président pour ça, on avait tout pour réussir. En 1987, l'entraîneur se nomme Franck Alric. C'était ma première année que j'entraînais, ou la seconde, je ne me rappelle pas. Il y avait 5 ou 6 joueurs qui montaient les juniors. Ah, bon, il n'y avait pas de problème d'acclimatation. Et tu se voyait presque tous les jours en semaine. Quoi. En 1987, le CRU Sportif joue en 3e division. Dans la poule de 4 se trouvent Draguignan, Mielan et Guéret. On avait déjà joué Guéret à Serré déjà. Donc en playoff, on avait fait le match aller à Serré. Et ça n'avait pas été un match facile à Serré, je ne me rappelle pas bien du score, mais bon, il n'y avait pas eu un gros score. On avait gagné difficilement. Quoi. Et la moyenne d'âge de l'équipe, c'était à 23-24 ans. C'était pas bien mieux. Hein. Et je me rappelle de la fin du match où le talonneur que j'avais en face était venu me voir et il devait avoir au moins 10 ans de plus que moi. Il avait été impressionné par notre équipe, par la jeunesse de notre équipe. Et il nous avait demandé, mais vous êtes d'où, vous avez des joueurs. Et moi je lui avais dit qu'on était majoritairement tous de Serré, quoi, que tout le monde était formé à Serré. Et il avait été agréablement surpris, quoi. Il avait été surpris de voir ça dans un petit club comme Serré. Le dimanche 3 mai 1987, le Serré Sportif doit se déplacer dans la Creuse pour affronter Guéret. Une idée a germé dans l'esprit du président du club catalan, Michel Planas. C'est une idée de Michel Planas qui un jour, en réunion de bureau, nous dit « Voilà, j'ai une grande idée pour le Serré Sportif, pour mon club, c'est de faire partir une Micheline de Serré pour aller jusqu'à Guéret. » Et on s'est tous regardés et on s'est dit « Ce type est fou. » Au début, on m'a appelé pour un fou, c'est de faire partir un train de Serré, d'organiser un train de Serré. Le samedi 2 mai 1987, un bus conduit dirigeants et joueurs du Serré Sportif à destination de Guéret. Nous sommes partis le samedi, comme on faisait pour les grands déplacements, et donc on s'est retrouvés à Guéret. Le samedi matin, vous êtes parti? Oui, parce que Guéret, c'était quand même assez loin. Je vois la Creuse, il y avait quelques heures de bus. Donc en plus, quand on partait en bus, il y avait Joseph qui nous avait... Non, parce que Joseph, il préparait le repas, pas que à Micheline, il avait préparé le nôtre aussi. Hein. Donc il y avait l'aspartiné, on partait en bus, on avait l'aspartiné dans le bus, alors on s'arrêtait, on mangeait. On va dire, le trajet était assez long, quoi. Il durait 2 ou 3 heures de plus, il y avait les arrêts buffets qu'il y avait. Nous sommes arrivés à Guéret en fin d'après-midi, on a mangé à l'hôtel, on a dormi. Hein. Mais les repas étaient dictés à l'avance par le président qui se faisait un plaisir donc d'offrir donc ce soir-là, le soir d'avant-match, des repas de qualité et très copieux. Quand on partait en déplacement comme ça, comme moi-même je suis un gourmet,
Je choisissais toujours un bon petit restaurant pour la veille. Des fois, ça mettait en colère les différents entraîneurs que j'ai eus. Moi, il y en a beaucoup qui apprécient aussi parce que ça fait partie aussi de la préparation du match. Moi, je dis, il faut être dans une bonne ambiance et... D'ailleurs, Michel qui a joué, il se souvient qu'on a eu des restaurants, on a eu des trucs sympas la veille des matchs. On a préparé le match avec Don Calry qui était l'entraîneur. Je me souviens qu'on a eu un incident le soir de la veille du match, puisque Bouchu, j'étais tombé d'une baignoire, il nous s'était ouvert le front de long en large, il a fallu l'amener à la clinique, c'est moi qui étais allé, je me souviens. On l'a recousu, il a joué le lendemain. Le lendemain matin, près de 400 personnes se rendent à la gare de Céré pour prendre place dans le train direction Guéret. Cette Micheline qui nous coûtait cher, parce qu'à l'époque, je crois que ça nous a coûté 60 000 francs. Ce qui, quand même, il fallait l'amortir. Donc, je crois que c'était 60 ou 80 000 francs. Je crois que c'est même 80 000 francs. Alain, mon trésorier, qui m'avait dit, oh là, on va pas s'en sortir, tu es fou. Et puis l'engouement en fait que je peux vous dire qu'à l'arrivée, nous avons gagné 1,2 million. Si on a fait 1,2 million le club, sur le bénéfice, ce qui était quand même beaucoup pour l'époque, parce que quand même, ça faisait... À l'arrivée, on peut lui pour l'inscription, les derniers jours, sachant que tout le monde y allait, il y a d'autres personnes qui se sont manifestées, et à l'arrivée, on a fait même du bénéfice. C'est pas 300 personnes qui sont montées dans le train, mais 380, dont le pari était gagné sur le plan financier. Je suis un chandeur, on est planasse. Lui, il était conseiller municipal à l'époque et il m'a aidé. C'est lui en grande partie qui a été qui m'a permis de le réaliser parce que. Et il travaillait à SNCF et il m'a permis de le réaliser. Il avait des relations là-bas, bien sûr, comme il travaillait. Et ça nous a aidé énormément à avoir ça. Parce que le gros problème, je me souviens, je ne saurais pas vous rentrer dans le détail, mais ça avait été ce problème d'écartement de rail. Parce que, je crois que c'était passé elle, le changement de voie pour aller jusqu'à Guéret. Alors il a fallu, ça avait été la grosse ligne. Vêtues d'un maillot bleu, les supportrices du Céré Sportif, amis ou épouses des joueurs, sont appelées les Pintades. Pourquoi on vous appelait les Pintades ? Ça, il faudrait le demander aux joueurs. On nous a, quand on arrivait quelque part, au café ou comme ça, après la troisième mi-temps, on disait « Ah, voilà les Pintades ». Donc on s'est appelé Pintades. Ça, c'est eux qui nous ont, c'est pas nous qui avons choisi. On aurait choisi nos bêtes plus jolies du temps. Hein, tant qu'à faire, pas une Pintade qui n'est pas spécialement. Voilà, donc on était les Pintades. La boutifarre, t'as pas mis la boutifarre. Qu'est-ce que tu sais si j'ai pas la boutifarre, hein? Enfin, mauvaise langue. Que c'est Michel Planas qui nous avait appelé les Pintades. C'est le président, ça. Il n'y a que lui pour avoir des idées comme ça. Je pense que c'est Michel Planas qui nous a appelé les Pintades. Quand je vois les Pintades, je les vois tout suivre avec tout un groupe suivre là, comme c'était les Pintades qui suivaient les maris. Mais les Pintades ont été bien gentils parce qu'il faut reconnaître qu'on a eu un groupe de femmes super sympa aussi à l'époque. Et c'était bon. Il faut dire aussi qu'on les a amenés partout. Imaginez que vous les ayez appelés les autruches. Oui. Comment vous avez une autruche, ça aurait été mieux. Ça aurait été difficile d'avaler une autruche quand même. Pour nourrir les 380 supporters, point de pintade au menu. Mais une opération culinaire préparée par un des cuisiniers du collège de Céré, Joseph Aubert. On a fait rire au collège. J'ai demandé à mon directeur et à mon intendant si je pouvais me servir des ustensiles de cuisine pour préparer un repas comme ça. Vous avez fait griller ici à Céré, au collège. C'était la veille et l'avant-veille, vous avez fait griller. C'était
L'avant-veille. Pour la veille, déjà. Ça peut être des costelles, des saucisses, du pâté, bon, on avait fait des chips, et on avait tout ça embarqué dans, ouais, dans des marmites, dans des ustensiles, aussi que c'était fermé hermétiquement. Pour le porter, pour le transporter, tout ça. Et bien, on avait pris pas des ustensiles en plastique, aussi qu'on avait tout genre dedans. Je sais que la lingerie nous avait préparé, je ne sais pas quoi, de pull, je ne m'appelle pas à l'époque. C'est, pour tout ça, c'est quand même quelque chose, c'était de la folie. On peut avoir une idée de la quantité que vous avez acheté de kilos de saucisses, de kilos de costelles, c'est... Je crois qu'il y avait 60 kilos de saucisses, et autant de côtelettes, des pâtés que j'ai été fournis par voyage, tout ça, ouais, c'était quelque chose de formidable. Au niveau spectaculaire, virtuel, c'était assez impressionnant. Hein. Qui c'est qui avait fait cuire c'était cuisinier, il y en a qui disaient qu'il y avait des bols de spicula, c'était terrible. Cette marchandise, vous la mettez où? On ne peut pas la mettre au milieu du voyageur. Non, mais on avait prévu un coin pour mettre toutes les denrées. Ça prenait la place. Ça prenait la place, mais c'était le wagon, ce wagon était exprès pour mettre des marchandises. Alors, c'était le dernier wagon. Qui avaient à venir manger pour une semaine et qui pouvaient nourrir non pas 380 personnes mais la ville entière, quoi. C'était quelque chose de formidable à voir. À 5h du matin, quand on est arrivé à la gare, que les copains, il y en a qui ont arrivé avec des batteries, avec des pompes des klaxons et tout ce que vous voulez, ça a été quelque chose de... On arrivait tout serré, hein. De Serré à Perpignan, il a fallu 2 heures de train pour faire donc 30 km. C'était... Pourquoi? Parce que les voies étaient très très endommagées, qu'il faut que la Michelin devait rouler à très très petite allure, quoi. C'était un petit convoi pendant cette durée de trajet. Après, donc, quand on a atteint Perpignan, la Michelin a pris son cours normal. Mais jusqu'à Perpignan, c'était très dangereux, quoi, très, très risqué. Le train a passé devant les HM du port, là-bas, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais, c'était quelque chose, le Saint-Grand, c'était... Même je crois que le train a ralenti et tout le monde était aux fenêtres. Tout HLM était aux fenêtres. Et ça, c'était le départ. Et du côté d'Elne, il y avait certains passages à niveau où le garde, c'était encore un garde pavillon. Il était à la fenêtre en train de nous faire bonjour. Ouais. Enfin, 5h30, je ne sais pas quelle heure on est passé. On a mangé notre petit sandwich réglementaire et après on est allé, tiens, on prend un bout de saucisson, du boudin, machin. On a mangé avec ce qu'il y avait, il y en avait largement. On pouvait être bloqué une semaine dans la nature avec le train, on serait pas mort de faim. Enfin, c'est sûr. Il n'y avait pas demi-heure qu'on avait démarré. Mais déjà, des gens qui ouvraient la glacière, on tient pour le café, le thermos de café, enfin de. Il y avait de tout, c'était effrayant. Quand on s'est arrêté à Toulouse, Toulouse, c'était... Moi, j'ai eu l'impression de voir Astérix et Obélix et les films, quoi. Parce qu'il y a une espèce de horde de supporters qui est descendue en masse, en hurlant. Nous, on est restés dans le compartiment et on s'est dit, là, tous les coups, on va en perdre. Il y en a qui vont... Le chef de gare annonce le départ, il y a eu le même numéro, on avait dit qu'on rembobinait, ça s'est fait dans l'autre sens, personne n'est resté, tout le monde était là.
on a acheté une penta de à la boucherie, toute plumée quoi, c'était manœuvré, elle est morte, et on l'a amenée, elle a fait tout le voyage, l'aller-retour, elle est arrivée dans un état pauvrette déplorable, mais elle a fait, on la voit partout, elle doit y être sur le film. Et on était tous dans l'excitation de cette Micheline, parce que même si on n'était pas dedans, il y avait nos copines qui étaient dedans, il y avait la famille qui était dedans, et on avait tous aimé y être. Quoi. Il faut savoir que dans cette Micheline, il y avait des gens de plus de 80 ans. Il y avait, je crois, la grand-mère de Jackie Dorca qui avait plus de 80 ans. Donc c'était incroyable que des gens comme ça s'investissent autant et que nous ne serions pas capables de leur faire plaisir. Les parents suivaient, les grands-parents, les frères et sœurs, les copines. Ah ben oui, tout le monde se connaissait. Oui, oui. C'était une grande famille. Oui, oui. Si les belles pintades sont secouées par les trépidations du train, celle qui accompagne les supportrices n'est pas épargnée jusqu'à l'arrivée à Guéret. Je savais moi à quelle heure arriverait l'autobus à peu près. Et j'avais poussé le vis pour motiver les joueurs quand on est parti du stade de passer devant la gare. Et là, on a rencontré sur le. En allant au stade, on a rencontré avec l'autobus la marée des supporters parce que ça donnait l'impression pour nous, petit village de Serré, ça donnait quand même une impression de marée, quoi. Et les joueurs là, quand ils ont vu tout se défiler déjà, sans que les couleurs serrées et tout, ça avait été. Je sais que ça avait été un grand moment. Et les joueurs, là, ils avaient marqué le coup, là, ils étaient prêts. Là, ils étaient vraiment prêts pour la rencontre. Déjà, après, il n'y a pas eu besoin de beaucoup de motivation et de beaucoup leur parler. Presque 99% des joueurs étaient serrés. Voilà. Et donc, le grand-père, hein, le papa, la maman, le grand-père, la grand-mère, tout le monde, toute la famille suivait. Et ces gens-là se faisaient un bon d'honneur à cuisiner avant de partir, mais cuisiner des paella, des lapins, des bols de picoulate, saucisson, jambon, pâté, il manquait rien, quoi, je veux dire. Le matin du match, il y avait une tradition qui ne s'est pas perdue, puisqu'elle a perduré jusque moi, quand j'ai connu la présidence en 93, c'était comme ça. Certains joueurs, notamment des joueurs de Vannes, se retrouvaient dans une chambre de l'hôtel pour esmorzer.
Voilà, alors là il y avait des Balastegui, il y avait les Sanchez, il y avait les Jean-Jacques Teille, il y avait enfin, les joueurs de base, hein, Pimpin, ils se retrouvaient dans une chambre, hein, et ils faisaient un gros déjeuner avec jambon, saucisson, pâté, de l'oignon, de l'ail, du bon vin, c'était le gros esmorzé. Par contre à midi, le repas de midi, on aurait pu s'en passer parce que personne ne mangeait, ni les dirigeants, ni les joueurs. On arrive au stade, et là, un engouement extraordinaire. C'était quelque chose... on n'avait jamais vu ça. Il y avait, je dis, 380 personnes avec les sacs à dos, avec le jambon sur les épaules. En fait, c'était quelque chose d'incroyable, quoi. C'était toute la ville de Céret qui était avérée. Il représentait toutes les couches de la société. Il y avait le notaire, il y avait l'épicier, il y avait l'agriculteur, il y avait le maire, il y avait... tout le monde était là. Le 1, c'est peut-être Balastegui. Le 2, Jérôme Sanchez. Le 3, Joqueral. Le 4, c'est peut-être le Fuge. Le 5, Théi. Le 6, Thierry André. Le 7, c'est peut-être José Bertrand. Le 8, Guillamette. Le 9, Vidalou. Le 10, Rego. Le 11, Panier. Si je me rappelle pas, Panier. Après, il va y avoir au centre d'Orcar, Garrigue. À l'hôtel, Ménicois, Thierry. Et à l'arrière, Ménicois, Patrick. On peut faire mes enjeux, c'est un bonhomme pour le roi, et on gagnera. Aujourd'hui, vous poussez aussi, vous troisième ligne, vous êtes fait remarquer là-bas, j'espère que vous serez aussi maillot. Vous allez en faire un sens, vous pouvez les expliquer s'il vous plaît. En tant que capitaine, donc, je ne me suis pas économisé de motivation, donc, que ce soit dans les vestiaires, dans un endroit confiné où vraiment il y a un partage qui se fait avec les joueurs. Et ensuite sur le terrain où on peut entendre aussi dans le reportage qu'avait mis en place Michel Doran, la motivation qui est une motivation axée sur les valeurs du rugby bien sûr, hein, mais aussi axée sur l'amour du maillot. Tout ce qu'on nous a fait cette saison, on s'est fait enculer sur tout le terrain. Et on ne peut pas finir ici, hein, je vais venir voir comment on ne peut pas finir. Moi je fais des sacrifices, hein, vous le savez. Et je suis partout où vous voudrez. Mais partout. Je tournais autour du terrain parce que je souffrais. Je souffrais énormément. Et puis je ne voulais pas entendre des fois les joueurs, les supporters qui ont des paroles malheureuses, qui critiquent les joueurs. Et ça pour moi c'était insupportable. Ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était le Montagnes del Canelu dans les vestiaires, parce que c'était des vieilles tribunes qui étaient, il y avait des plafonds très hauts, c'était des tôles et ça résonnait. Et on était là-dessous au moment de sortir, où la tension était au maximum. Et on entendait ces chants de tous les supporters, la tribune qui était serrétane, on se serait cru à serrer, c'était fantastique. Avant de rentrer sur le terrain, la première chose qu'on entend, c'est le public. Le public qui entonnait des hymnes de catalans à tout va avec notre maître d'orchestre Biscato René, qui était déjà avec la baratine et tout ça. Donc je veux dire, bon, c'était vraiment quelque chose pour nous qui était très important. Le
l'équipe était encore en échauffement, c'était sous les tribunes, il devait entendre le tapage, votre monde était en train de... On aurait dit que c'était sorti de Lyon, sur ce terrain. Le moment de libération, c'est vraiment le moment où on rentre sur le terrain où là, chacun peut un petit peu se libérer de cette pression. La force du Cercle Sportif, c'était ça, d'avoir de tous les copains, les jeunes qu'on connaissait, que le lundi on les voyait, le mardi, le mercredi, le jeudi et le dimanche, on était avec eux sur le stade. Patrick Minicois avait un petit peu échoué dans ses tentatives au but, donc il était impératif pour nous de conclure par du jeu et par des essais. C'était un petit peu inconnu, puisque moi, on avait dédié le poste de pilier, puisque José Sanchez, un grand ami, c'était un des matchs de play-off antécédent. Donc j'ai dû le suppléer, c'était un petit peu inconnu. Yeah!
la seconde mi-temps qui nous a permis de faire la différence, sachant que notre jeu d'avant commençait à apporter ses fruits. Et il y avait le vent, il y a eu des coups de pied déplacés, donc qui nous ont propulsé dans le camp et qui nous ont permis à ce moment-là de prendre l'ascendant sur cette équipe. On a bien tenu à mêler, on a apporté tout ce qu'on devait apporter au niveau des avants pour que notre gars puisse déployer leur jeu et marquer. La neige, du soleil, giboulée, il a fait froid, non, ah, c'est vrai. Ah, mais bon, c'est vrai, je me rappelle pas spécialement du match, j'avoue. Jouer avec la pluie, est-ce que c'est différent et jouer avec le soleil, il y a une différence. Il y a une différence, c'est qu'à l'époque nous n'avions pas de pluie, donc les ballons étaient aussi des ballons de l'époque, donc c'était des ballons qui étaient plus lourds, qui étaient plus glissants, donc beaucoup de fautes humaines. Jouer avec un avantage du vent et au score, en menant le score, le match était presque gagné. Il a fallu encore un exploit sur une mêlée ouverte, je pense, si j'ai bonne mémoire, du paquet des serrés, où il y a eu une attaque du côté fermé, et Marc Reynaud, je crois que c'est lui, qui se trouve dernier possesseur du ballon, il a parti le troisième essai, ce qui fait le score de 20 à 3. La fin du match, c'était la délivrance totale, puisqu'on savait qu'on était sur la performance, et on savait qu'on allait peut-être réaliser ce que toute la population attendait, ce que les joueurs attendaient, ce que les dirigeants attendaient depuis des années, à savoir l'accession en seconde division. Le résultat final se solde par 20 à 3. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Je vous dis, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, on était contents, on avait cette victoire, on s'était fixé comme but de gagner là-bas, on avait gagné, donc on se jouait la montée à serrer, et après il ne tardait qu'une chose, c'était de prendre le train et de rentrer avec les supporters et de partager un peu l'ambiance qu'ils avaient eue à l'aller, puisque nous on avait été mis à l'écart quoi, pour préparer ce match. Vous vous rappelez
de la réaction des supporters vis-à-vis du joueur. Ben oui, bien sûr, tout le monde était descendu des tribunes. Je me rappelle, c'était un terrain où il y avait une piste tout autour, donc le terrain était loin des tribunes. Et ils étaient descendus, nous retrouver, c'était beaucoup de joie. Vous avez eu les félicitations du maire qui était le sous-sucre à l'époque. Oui, bon, mais ça, les félicitations. Et quand on gagne les félicitations, tout le monde est là, les félicitations. Oui, toujours. Si on gagne le dimanche, le match après à Bélan ici, on monte une division. Et après vous avez repris du service de soir pour donner à manger à 450 supporters. Mais là ça n'a pas été pareil. Là ça n'a pas été pareil. Quand on est revenu, quand on a repris cette Micheline, et bien, c'était pas du tout pareil pour cette ambiance, c'était. On mangeait, on boit, plutôt on buvait. On vous fêtait. Au buffet de la gare, déjà ça a commencé. Et là on a vraiment apprécié parce que c'était une journée qui était parfaitement réussie. Et puis tous ces supporters autour de nous, c'était vraiment formidable. Moi j'aimais bien quand on finissait les matchs, qu'on avait les supporters là, près de nous et tout, qui vivaient comme nous. Quoi. Ça c'était vraiment agréable. Chansons en français, en catalan. C'est Jean Bouguéré jouait à nous parce que après à la fin il y avait des gagnants, des perdants. Il y avait des gens qui avaient envie de se retrouver, de communiquer et de s'échanger des idées et de la joie de vivre. C'était ça le rugby des années 80. Hein. C'était la joie de vivre. Après donc un vestiaire animé et je veux dire en joueur, les joueurs nous font la demande suivante, ils nous disent voilà, nous on veut rentrer avec la Micheline. Alors on s'est tous regardés, président, entraîneur, les dirigeants, et comment on va faire cette Micheline. Et nous, pas question qu'on ne rentre pas avec la Micheline. Alors ce bus est reparti à vide, à serré, avec. Juste deux personnes, les deux Casanovas, père et fils, qui sont montés dans ce bus, ils avaient tous les bus pour eux, ils sont partis sur ces rues, donc avec le carré. On
a donc pris place sur le Michelin. Après, je me souviens, un apéritif extraordinaire à la gare de Viré. Et le retour, le problème, c'est que les joueurs sont descendus avec nous et qu'aucun dirigeant n'a voulu, aucun des supporters n'a voulu laisser la place. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés, tous les supporters voulaient être dans le même wagon que les joueurs. Donc on était dans un wagon qui était déjà plein au départ. Alors il y avait des gens couchés dans les filets, enfin, c'était assez spécial. Nous on a fait le voyage assis sur les genoux de nos maris ou autres, quoi. Serré, enfin c'était. Mais il y avait une ambiance quand même d'enfer. On s'est mis tous où on a pu parce que la Michelin était déjà bien bien pleine. Ce dimanche 3 mai 1987, après un arrosage somptueux au buffet de la gare de Guéret, un supporter catalan éprouva une grande fatigue, sûrement pas causée par quelques verres d'eau du boulou. Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne Il faisait ici pour voir. Il n'a pas mis que le train parte, mais c'était Max Truss. Ça, c'était hier. Ah, bon, c'était pour le match. C'était pour la victoire. Alors, il avait bien arrosé le genou. Je crois qu'il n'y avait pas que lui qui avait bien arrosé. Si le train était tombé en panne, il y avait à manger pendant 2 mois dans le train. Alors c'était, je me souviens, dans ce train ça a été, mais ce qui arrive. Et alors les gens, les supporters, se faisaient un plaisir de que les joueurs mangent avec eux. Et alors on passait partout, on passait, viens manger, viens manger. C'était un truc, viens boire un coup. C'était... Là, il y a eu un retour formidable. C'était une chanson paillarde que j'avais l'habitude de chanter un petit peu après les matchs ou après quelques verres dans le nez. Mais les joueurs savaient qu'il ne fallait pas trop forcer pour me la faire chanter. Et puis voilà, on avait dans les déplacements, la tradition c'était que Balam chante Manuela, que moi je chante celle-là, qu'Alain Torrent chante du Brassens. Voilà, Jean-Louis Albitre quand il venait avec nous, c'était la montagne. Dans cette Micheline, on savait qu'on n'y conviendrait pas tous, mais bon, ça s'est fait. On ne parlait pas de sécurité, ni d'insécurité. Ça s'est fait normalement. Et puis cette Micheline nous a amené à bon port. Il faut citer aussi nos femmes qui ont été formidables, puisqu'elles ont joué leur rôle d'épouse de joueurs, tout ensemble groupé autour d'une fameuse pentade, qui était un petit peu l'emblème des supporters. Voilà, donc je veux dire, tout était réuni dans cette journée pour que ce soit une journée formidable et surtout historique. Le fait de raser les moustaches, c'est une tradition ou c'est uniquement la... Non, c'était un pari. Il y avait, je me souviens bien, c'était donc malheureusement René Tay qui décédait, que j'ai vu d'ailleurs sur le film, et qui avait dit, moi de toute façon, si Serré gagne, les joueurs me raseront la moustache dans la Micheline, ce qu'ils ont fait dès qu'on est rentré dans ce train, quoi.
C'était d'ailleurs très rigolo. Alors, il a fallu que la personne qui est en train de le raser, je crois qu'il y passe du savon, non? Il a fallu qu'elle amène tout ce qu'il faut. Oh, mais je crois qu'il l'avait prévu, parce que, bon, vous savez que après les matchs, les joueurs ont dans leur sac quelques affaires à ce niveau, pour se raser, pour se laver. À l'époque, c'était le savon de Marseille. Et bien, ils se sont servis un peu de tout ça. Ils ont pris un seau, je me souviens. Ils ont fait un peu de mousse. Ils ont donc mis ça sur la figure de René, de Pierre Péjouan et de René Ajax, et ils sont tous passés à la casserole. On s'est arrêté à Brive, tout le monde est descendu. C'était pas un arrêt, c'était, je sais pas, ce qu'il devait faire, 5 minutes, 3 minutes. Tout le monde s'est jeté dans le buffet. Ils sont en direction de faire la bonne soirée. Le train commence à repartir, tout le monde est remonté en courant. On n'a jamais oublié personne. Hein. On n'a pas entendu dire, il manque tel, il manque tel. Hein. Et là, il y avait un supporter ou un joueur de BD qui descendait avec nous. Et quand on s'en est aperçu, on a fait descendre à tous, je pense, qu'on corrige sur un seul. Hein. Il ne Les supporters étaient fatigués de la journée parce qu'elle avait démarré assez tôt. Et nous, on était fatigués du match et tout. Donc, tout le monde cherchait à se reposer. Et comme on était tellement nombreux, c'était presque. Il y en a qui dormaient dans les filets à bagages. Il y en a qui dormaient. Moi, je me rappelle, j'avais dormi sur des sacs de pain où il y avait le pain encore dedans. Et le pain était. On avait repassé le pain. Quoi. C'était tout le monde cherchait à dormir, à se reposer. Il y en a qui dormaient dans les bagages. Ouais, les filets à bagages, là, c'était. Après, c'était. C'est vrai que le retour, c'était un peu fatigant, quoi, dur. On s'est mis bien sûr à chanter, on s'est mis à ça a duré jusqu'à 3 ou 4 heures du matin cette affaire. Et ensuite, il faut dire qu'on était tous fatigués et que la fin du voyage, je me souviens de ça, la fin du voyage s'est fait où on a pu, parce qu'il fallait trouver une place pour un peu dormir quand même, parce que le lendemain il fallait bosser. Et donc voilà, et on a regagné Serré, il était 6 heures du matin, je crois. Voilà, et le bus est arrivé en même temps que nous d'ailleurs. Je sais que j'ai descendu du train. Non, avec ma famille, j'avais sécurité de ma famille. Je me débrouillais chez moi et je rentrais en cuisine à 6 heures du matin au collège. Oh, j'étais en pleine forme. Ah ouais. Ah ça c'est. C'était. C'est le rugby à Serré, c'était un groupe d'amis, de copains, de gens qui se respectaient, de gens qui étaient nés au village. Et c'est grâce à tout ça qu'on a eu après ces titres majeurs, quand étaient les titres de 93 et de 98, qui ont donc fait que la majorité des dirigeants de cette époque de 87, ainsi que presque la totalité des joueurs, étaient présents donc, pour ces grands titres. J'ai connu des gens merveilleux, et quand maintenant je vois, je retrouve les joueurs, tout. Je les revois avec un plaisir énorme. Quand je vois des balades et des rats, je ne veux pas les citer, parce que tous, c'est comme des enfants, c'est comme des fils, je veux dire, c'est pour moi, ils m'ont fait vivre des moments merveilleux, et puis c'était des mecs d'une droiture et d'une honnêteté et d'un truc extraordinaire. École de rugby, école de la vie. Je vous dis que jeune qui passe par le rugby, toute la vie s'en sortira, il saura ce que c'est l'amitié, il saura ce que c'est. Moi, je suis confronté à d'autres associations, à des trucs comme ça, et on voit que les gens n'ont pas eu la formation rugby, la formation sport d'équipe, il n'y a rien à faire. Et je dis bien, pas tous les sports d'équipe, mais le rugby vraiment porte des valeurs extraordinaires, extraordinaires. We'll be right back.